Oh là 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 là, un live du plus, mais quelle surprise, je tombe des nues. Quelle surprise, je ne m'y attendais pas. Aïe aïe aïe. Merde, j'ai rouvert VS Code. Ah, merci pour le follow, Anarchy Gaming, ça je m'y attendais pas. Ah non, c'est le petit ange, j'ai loupé. J'arrive pas à lancer Venian, attendez. Il faut sourire à la caméra. Je souris à la caméra. Ah, c'est pas le bon. Là, c'est bon. Le fameux Rezla est un dieu. Oulipetupetu, merci. Bon, c'est encore très basique, hein. C'est encore très basique tout ça. Et là, je vais devoir jouer à Dark Souls avec une poche autour du cou. Ça va être compliqué. Je suis en train de me balader avec un électrocardiogramme portatif. Ça va être le moment du fun. Ah! Aïe 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 aïe, mes oreilles! Ça va fort. Ils m'ont tabassé alors que j'étais encore au sol. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. C'est les techniques qu'on utilise à Saint-Denis, ça je connais. Attendez, je vais baisser un peu le son du Bénial parce qu'il m'a pété les oreilles. Comprends rien, elle est con. Rien. Hey! Je peux commencer à parler? Du coup, pour commencer, parce que nous sommes dans la tradition des françaises les plus. Voilà. Arrobase le plus V2. Ah, souvent sa tour elle est gelée. Oui et non. Oui et non. Perso, je préfère oui la et version non. des chats. Oui et non. Nanana. Oui et non. Oui et non. Les chants ah, bien. J'aime bien refaire les chansons. Mais j'ai le droit de vivre un petit peu, s'il vous plaît. Ah, et le follow de Cœur de Vent, merci Cœur de Vent. Je vais pouvoir commencer à jouer bientôt. Merci beaucoup pour le follow. Où est ma manette? Elle est là. Du coup, nous disions Dark Souls. On n'entend pas beaucoup le jeu. Ah si, on entend beaucoup le jeu, c'est mon casque qui est faible. Dark Souls, sous level 1. On est arrivé à Norlondo, niveau 1, pyromancie. Je vais me faire rouler dessus si j'utilise ça. Placer des sorts. On va prendre. Ah, j'ai que de la merde. Si tu te tais, on pourra entendre le jeu. Comment ça? Je fais quoi? Comment? Les pâteux perteux, merci. Faut que j'ajoute un sonde aux pâteux pâteux. Ah, c'est pas le bon! Merde! Descendu trop tôt de à l'aide. Non, c'est niveau 1. On reste uniquement niveau 1. Voilà, pas le droit de level up. Du coup, pas le droit d'utiliser des armes qui ont des stats que j'ai pas. Pas le droit d'utiliser de l'intelligence. Parce que je suis un peu con de base. Je suis pas allé à l'école là, tu vois mon perso il est un peu neuneux. Mais pas le droit d'utiliser des glitches. Et je dois faire tous les boss. Tout en restant au niveau 1 tout le long. Ce qui fait que j'ai de l'argent avec mes âmes pour pouvoir dépenser, acheter des armes, des matériaux et compagnie. Bah en vrai figure-toi que c'est facile. Tu vois, je suis à Norlondo, je suis mort que 15 fois. Bah ben oui, c'est facile, je suis désolé. Je suis à Norlondo, je suis mort 15 fois. J'ai first try tous mes boss. Honnêtement, il y a des morts, elles étaient. À un moment, je suis mort parce qu'un ver de terre m'a mordu le pied. Pour vous donner une idée. Bonjour, mon ami. Alors, lui, j'aimerais qu'il me renforce.
Éclat de titanite blanche. Est-ce que tu vends des éclats de titanite blanche? Merde. Ton ami est très grand. On va dire qu'il est très imposant. Il a mangé beaucoup de soupe quand il était petit. Alors, savoir que... Et ce qui est bien avec Dark Souls, c'est que le jeu laisse des petits indices, des trucs comme ça. Ouais, elle est morte, la Firekeeper. Et elle est pas morte parce que je l'ai tuée, elle est morte parce que j'ai oublié de la sauver. Voilà. Bon, ce qui est bien avec Dark Souls, c'est que le jeu laisse pas mal de... d'aide. On voit que là, j'ai un gourdin plus 10, et j'en ai récupéré un qui est plus 0. Mais qui fait... Mais tu bouges elle. À l'intérieur, c'est multicolore. Ah, elle est là? Ah! Trop cute. Ah non, je suis pas cute. Ah! Ah! Bah tu vois pas depuis tout à l'heure, je change de couleur. Faut savoir qu'Einstein et Smoog sont faits par rapport aux dégâts occultes. Et il y a une Mimi qui te donne des dégâts occultes juste là-bas. Faut que... Alors, il faudrait que j'arrive à augmenter le... Le côté LGBT là, multicolore. Casse-toi. En fait, tu sais quoi, j'ai pas besoin de te battre. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez, il faut que je me concentre. Et c'est pas en m'envoyant des pommes dans la gueule que ça va aller. Bon, allez. On souffle. J'ai pas invoqué solaire, j'ai oublié. On va y arriver. Bah, je fais... Tout le corps change de couleur. Faut juste que je le... Faut juste que je trouve un moyen de faire en sorte que le gradient soit plus... Ça va? Oh, c'est nul les dégâts! Oh, ils sont tellement nuls! Oh, je suis tellement mal! On veut voir les tétons. Quels tétons? Merde. Oh, je vais avoir tellement zéro possibilité. Mais oui, le jeu est facile. Tu vas voir, je vais le first try. Tellement pas. Crame! Oh! Les dégâts de la boule de feu! Les bonbons dégâts. Crame! PD! Il n'y a pas de téton, mon avatar. J'ai glissé, il y a une chaise pleine, j'ai glissé! Oh, les dégâts qui me... Eh, c'est... par contre, c'est dégueulasse, ça. J'ai touché, monsieur. Lup. Alors, l'avantage avec le Soul Level 1... Aïe. Crame. Oh, merde! Pas besoin d'intelligence. Non, ça marche pas. Écoute, c'est pas moi qui ai fait le jeu. Je me suis fait rect. C'est pas moi qui ai fait le jeu. Alors. Bah oui, c'est facile. T'as vu les dégâts que j'ai? Par contre, on va faire encore plus facile. Hein. On va aller chercher son rire. Et en vrai, je peux faire même encore plus facile. Et c'est bon. C'est simple. Il n'y a pas longtemps sur Elden Ring, Miyazaki a parlé. Et il a dit, vous êtes tous nuls. Moi, j'arrive à jouer alors que je suis nul. Parce que j'utilise les outils du jeu. Il faut utiliser les outils à la disposition. C'est comme quand tu vas draguer quelqu'un. Il faut utiliser les outils à ta disposition. Aussi bien ton charisme que du GHB. Les deux fonctionnent. Avec ma lasagne, quelle lasagne? Comment tu dragues des gens avec des lasagnes? Dans Dark Souls 1, utiliser le feu, c'est pour avoir des fragments d'astuces en plus. C'est vrai que t'as pas joué à Dark Souls 1, du coup t'as pas la mécanique. Non! J'ai loupé! C'est que dans Dark Souls 1, ça. Dans Dark Souls 2, après, ils ont mis des fragments. Et dans Dark Souls 3, ils se sont dit, c'est une bonne idée, on va la garder. Je suis en train de mourir, là. Si je meurs, j'ai le seum. Je l'ai charmé avec ma bouffe.
C'était tombé sur un gros mangeur, c'est tout. Joue mieux l'enfoiré. Le joue mieux. C'est pas celui de Gitan, ça, le joue mieux? Ou alors c'est Sakou? Ah, me parlez pas de raclette, moi ça me rend malade. Par contre, hier, je suis allé chercher un tout-goût-tout-go chez une boulangère. Elle m'a sorti des petits beignets fourrés au chocolat, enrobés de sucre. Oh! J'ai joui. Je les ai mangés, j'ai joui. Ils étaient trop bons. Tu l'ouvres en deux, le beignet, ça dégoulinait d'une pâte qui ressemblait à Nutella. Alors, il est faim, manger. Ça fait du bien de miam miam. Il a foiré le beignet. Écoute, disons qu'elle n'était pas très fraîche. Voilà. Ça se voyait, c'était comme les beignets, ils étaient congelés avant. Ils ont passé la date, mais en restant au frigo, ça gérait. Hop là. Ah, la deuxième! Il m'a mis le retour, l'enfoiré. Doucement, quand même. Bon, faut que je me débarrasse de... Vas-y! Fais un effort! Rien, Dark Souls, c'est facile. J'y arrive pas. Je suis une merde. Arrête, tu vas me tuer. Arrête, tu vas me faire mal. Tiens. Oh! Je lui fais pas de dégâts! Attendez, attendez. J'ai une idée. Peut-être que ça marchera mieux avec ça. 90, c'est un petit peu mieux. Elle saute pas. Attendez, je peux pas vous lire. Ah, 101, c'est pas dégueu pour un niveau 1. Alors, le problème avec eux, c'est qu'il se heal. Et s'il décide de se heal, j'aurai pas assez de dégâts pour le tuer. Alors. T'es pas capable d'esquiver. Mais si j'esquive. J'ai des grosses bolasses. Regarde comment je suis beau avec mes petites oreilles. En vrai, j'ai fait. Non, c'est pas vrai. En vrai, hier, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai fait des trucs de ouf quand vous étiez pas là. J'arrête pas de dire quoi. Et alors? Va me dire que j'ai tapé dans le bouclier. Ose me dire ça. Dans ma gueule. Non! Non! C'est rien, c'est pas vrai, j'ai pas paniqué. Allez! J'ai pas tapé dans le bouclier. Y a pas de panique. Y a pas de panique. Pas de panique à bord. Non! Le fun et la vitesse d'abord, là! Merde. Et je tape dans le bouclier! Panique à bord. En vrai, c'était la belle époque, Rick et Ramsey. C'était une bonne époque. Moi, j'aimais bien ces cartoons. Il y avait aussi Zwing, 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 pouvait faire tous les humours qu'on voulait. C'est ça qui était bien. Voilà, c'était les cafards. Il y avait aussi un...
We got love you, we don't want love you, we got love you, da 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 da. C'était l'époque Kanagi. Oh, je lui fais plus de dégâts avec ça. Le jeu m'a menti. Oh! Exactement, les zinzins de l'espace. Solaire? C'est quand tu veux, Solaire. Bon bah, je crois que je suis parti pour la jouer solo. Hein. Je suis mort. Oh non. Et j'ai pas invoqué Solaire, genre. Je suis passé à côté, je l'ai pas fait. S'il vous plaît, laissez-moi me heal. Je suis mort. Non, c'est bon. Ouais, alors, par contre, ça va être compliqué si vous me laissez passer. Bah alors, pourquoi il vient pas, l'autre enfoiré? Reste bloqué, toi, gros tas. Pas de si, là. Solaire, s'il te plaît, amène-toi. T'as pas la clé de la porte. J'ai une assurance d'enfer. Arrêtez! Mort. One shot. Solaire, enculé! Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est dingue, ça, par contre. C'est pas juste. Mais oui, c'est facile. C'est trop facile. Non, c'est pas ça que je veux faire. En vrai, ce truc me gêne. Je peux pas l'enlever et le poser sur mes jambes. Regardez. En fait, j'ai une espèce de pochette autour du cou. Et dedans, il y a un boîtier. Avec plein de fils qui partent à mon torse. Un peu comme Tony Stark. Sauf que moi j'ai des électroïdes. Électroïdes. Voilà. J'attends encore que mon armure elle sorte du shelter ailleurs là. Avec les inondations à la rouillée. Ça fait plein bruit aussi. De quoi? Boitier, non, ça va, il est silencieux. Tout à l'heure il bipait, ça m'énervait, mais là ça va. Ah non, ça fait pas de bruit. Par là-bas. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas les règles du SCL1, je vous invite à faire les commandes. Un électrocardiogramme qui se balade? Oh non, moi il fait pas de bruit. Ou alors c'est simple, En fait, il compte rien. Il a vu que j'étais déjà mort, il s'est fait... Franchement, est-ce que je vais m'emmerder pour lui? Ah, je crois qu'on porte pas la même chose. Enfin, on portait pas la même chose. Bon, faut que je me refasse les deux gros, et ce coup-ci, solaire. Marche la solaire. Oh, allez. Par contre, là, j'ai fait une esquive tout risque. C'est pas mal. Allez, non, le deuxième. Retourne là-bas, toi. Personne t'a rien demandé. Bonne nuit, dormez bien. Faites de beaux rêves. Et merci beaucoup plus pour le raid. Oula. J'arrive pas à taper. Allez, viens. Et on est bien. Et du coup, ouais, tout à l'heure j'ai vu, il y avait plus. Je faisais tes remerciements. Si c'est Gitan qui t'arrête, c'est vraiment que t'as pas dormi. Ouais, je comprends pas comment tu tiens pendant autant de temps sans dormir. Moi, je peux pas. Déjà, moi, au bout de... Si j'ai pas mes 8 heures, je meurs. Bon, après, moi, je suis malade, mais... Quand même.
Bon, allez, solaire, s'il te plaît. S'il te plaît, solaire, fais un effort. Tu viens avec moi. Est-ce que si tu viens pour de vrai? En vrai, pour la deuxième phase, j'ai pas besoin d'aide. C'est pour la première, histoire qu'il en occupe un sur deux. On y va? C'est bon? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, viens, moi. Petite ça. J'ai vu également que les résines de pain fonctionnaient. Alors je vais pas m'en priver. Bonne nuit. Enfin, bonne sieste plutôt. Non mais j'aurais préféré l'inverse, tu vois. On l'a démonté. Oh, je le démonte comme sa tante. Là, si tu pouvais venir. Là, t'as l'aggro des deux. Ah, je suis mort. Purée, le one shot. Ah, j'aime pas les one shots. Merde, je suis en train de tirer sur mes fils. Ah, j'aime pas les one shots. Je vais essayer de le faire sans solaire pour l'instant. Mais avec ma résine de pain, je devrais faire assez de dégâts. Il me fait chier ce voiture en vrai. Merci plus, dormez bien. Bon, en vrai, Einstein et Smooth, c'est la grosse épreuve du jeu. Hein. Normalement, après ça, tout devrait aller mieux. J'ai oublié de dépenser mes thunes. J'ai perdu 20 000 âmes. Je viens tout juste de le tilter. Et ça fait grave chier. Bon. On dit résine. Et non pas résine. On passe. Ah, moi je suis mort. One tap. J'adore. D'ailleurs, ajoute des mains là. Faut me le dire quand je mets pas à jour le compteur. C'est pas juste. Un peu. Oh. Ça passe limite. Vraiment très limite. Non, bah faut que j'arrive à taper Einstein. En vrai de vrai, si jamais j'ai moyen d'utiliser la grande combustion, faut que je le fasse. Laisse-moi, laissez-moi. Partez. Je veux plus vous voir. Pelocon? Dans ma gueule. Mort. C'est dur, monsieur, c'est dur. Ouais, c'est... Bon, j'esquive le premier coup du marteau. Et je cours. Juste je cours. Ça fait deux fois que je me fais one shot, c'est pas cool. En fait, je me dis à la fin, ça va juste être ça. Du no hit. Et si j'arrive pas à no hit, bah je suis mort. Foutux babilabilux. En vrai, de vrai, de vrai. Certes, ce serait plus simple avec solaire. Mais si je mets plus de dégâts sans lui, ça vaut le coup pour essayer de rush. Arrive. Mais dans le mur, voilà.
J'ai pas tapé le bon, génial. Ok, c'est pas mal. Ok. Il peut pas esquiver parce qu'il a à chaque fois un pilier sur sa droite. Je vais le finir là. Je vais le finir avec ça. Et merde. Ah et merde, j'ai plus de résine. Je suis arrivé, purée. Recule, recule. C'est pas grave. Oh, j'ai pas de couteau sur moi, c'est dommage. C'est pas grave. Oh putain. Comment il a atomisé le pilier? C'est pas grave, faut que je continue de reculer. J'attends The Occasion. The One. Maintenant. C'était The One. Maintenant Fatih. Alors pour Fatih, c'est un peu plus simple, je trouve. Le problème, c'est que si il me touche, je suis mort. Oh, comment il prend pas de dégâts? Ah, ça a pas touché! S'il te plaît, mur! C'est pas des gros dégâts, ça. Oh, c'est pas des gros dégâts. Il prend pas! Faut que je lui crame vraiment les boules, hein. Faut que j'aille lui cramer les boules. Strass. Mais je vais y arriver. Concentration max. Ça se fait. Franchement, ça se fait. Pas cette attaque. Genre tout sauf cette attaque, quoi. Ok, pas mal. Une attaque, fais quelque chose, arrête de tourner. Et tes gros tétés là. Je vois que ça depuis tout à l'heure. Let's go. Aïe aïe, on recule, c'est pas grave. Il a tapé à côté, j'ai pris les dégâts, on s'en fiche. Healing. Le Locon, s'il vous plaît. Ok, on fonce. Let's go! J'ai plus de... Oh! Le miracle! Je suis en vie! Oh, j'aurais dû mourir 100 fois! Enfoiré! J'ai plus de pyromancie, j'avais pas vu! Merci. Purée, c'était compliqué. Ah, je me suis fait rouler dessus. Et le moment où il a sauté, j'avais plus rien. Je me suis complètement fourvoyé. J'aime bien les fights comme ça. Bon, en vrai, j'ai fait le plus dur. Merci. C'était pas facile. Mais ça a été fait. Et avec brio, charisme et toutes les qualités qu'ils m'ont avec moi.
Merci pour le GG. I am the one. Salut gros néné. Comment ça va? S'il te plaît, parle-moi gros néné. Elle est forte, arrive à parler sans bouger les lèvres. Allez, ventriloque. Hop, le calice. Alors, on va faire un petit truc. Je le fais... Non, je vais pas le faire maintenant, sinon ça me foutre dans une merde. Alors, maintenant qu'on a le calice de gros néné. Est-ce que j'ai des couteaux sur moi? J'en ai 4, c'est pas ouf. Mais ça fera l'affaire. On va aller utiliser l'œil noir. Il se passe des trucs chez moi, je vais aller voir. Ah, j'ai oublié que c'est la merde ici. Allez, hop, hop, l'œil noir, est-ce que je peux l'utiliser d'ici ou pas? Je peux pas l'utiliser d'ici. Faut que je me débarrasse au moins de lui. Au moins de toi, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît, j'aimerais aller tabasser du traître là. S'il vous plaît. Faut que j'aille tabasser du salaud. Il a tué ma madame. À cause de lui, je suis maidenless. Hop dans les boulocks. Hop dans les boulocks. Lautrec. Let's go. Bon, là, ça va être compliqué, par contre. Parce que l'Autrec, c'est pas... Orstein et Smoog, ils sont deux. Bah, l'Autrec, ils sont trois. Alors, je peux utiliser ceci. Pour utiliser ceci. Et ceci. Venez! S'il vous plaît. Ouais, ouais, regarde-moi. On va les cheese. Si j'y arrive. Et là que je te cheese. Le cheese a loupé. Le cheese a loupé, cours. Ma vie, j'ai que deux fioles là. Comment je vais faire mon coup, moi? Voilà. Ah non. Oh purée! Les dégâts! Oh, c'était joli, ça. Et brûle! Toi. Oh. Brûle! Ah! Brûle pas! Attention à ce que tu fais, toi, à taper à travers les murs, je t'ai... Il a mis des dégâts à son pote. Non, laisse-moi. Brûle! J'ai dit brûle! J'ai dit brûle! Oh, il est mort. Aussi brûle, là. Oh, il a eu le RTC. Eh bah, tout est bien qui finit bien, hein. Souvenir de représailles, mais surtout la petite âme. Donne-moi mon âme. Voilà. Et normalement, dans un petit coin, je sais plus où, il y aura l'armure de Lautrec. Oh merde, je t'avais oublié, toi.
À travers les murs, comme ça. Génial. J'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré. Vous l'avez pas deviné encore. Tapis Sadomaso Simulator. Bon, plus sérieusement. J'ai récupéré pas mal de goods là. Le mieux pour le moment, ce serait d'aller... Je vais peut-être faire une grosse connerie. Mais déjà, je vais aller récupérer mes âmes. Et on va aller chercher l'anneau de séance lune blanche. L'anneau de séance blanche, je sais plus. Il devrait me donner un petit peu plus de sorts à utiliser. Alors pourquoi je suis passé par là, j'en sais rien. Vraiment un teuteux. Mais du coup, je vais en profiter pour aller. Ah, et bah non. J'allais dire, je vais en profiter pour récupérer l'arc du monde dragon, mais. Jamais de la vie, je pourrais m'en servir. Le truc, ça doit valoir 30 en force, un truc comme ça. Le bousin, là. Viens, prends. Viens. En vrai, elle est super, cette arme. Tombe. Il a tombé. Pardon. Oh bah ça fait des trous chez moi. Génial. Ça fait des trous dans les gros murs en béton. Alors on va descendre chercher de l'anneau de séance lune. Blanche je crois. Ou l'anneau de séance blanche, je sais plus. J'espère qu'il est là d'ailleurs. S'il n'est pas là, je suis un peu dans la merde. Ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher l'anneau de séance lune noire dans les catacombes. Hop, et mi-fall. Alors le ton. Oh! Quand je vole, il n'y a pas de problème. Je me suis toujours senti un petit peu fée à l'intérieur. Avec mes grosses ailes là. Avec un Z. Anneau de l'aîné solaire. Est-ce que ça a le même effet ou pas? Améliore les miracles. Le jeu qui me tire dans les chaussettes. Me met des bâtons dans les roues. Quelle est la meilleure chose à faire? Le meilleur endroit où aller? C'est là. On va aller encore améliorer la flamme de pyromancie. Voilà, pousser à fond. Un juge répond à mes petits RP sur Discord. Et Anigui, par hasard. Est-ce que... Ouais. Ouais, tu gères, mon pote. Mon petit pote. Bon, maintenant que j'ai ma flamme de pyromancie boostée. Ah, retourne à les cheveux. J'ai complètement oublié de déverrouiller le passage. Que j'aille déposer le calice. On va aller voir le serpent. Regardez comme il est joli. Avec ses grosses dents. Il n'y a pas de mâchoire inférieure, si? Si. J'ai jamais compris comment une créature pouvait vivre avec des gencives exposées comme ça. Il est mignon. Merci pour le courage. Ça va aller. Facilement. Le jeu est pas dur. Ils sont trop mignons, tes émotes.
Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il se passe des dingueries chez moi. Faut que j'aille vérifier. J'arrive. Ça craint un peu. J'arrive. Petite urgence chez moi. Je vais revenir dans 5-10 minutes. À tout de suite.
Ouh, mais en voilà, j'ai géré mon urgence. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça avoir à gérer des trucs comme ça. Let's go! Alors, j'ai posé le calice. J'ai posé le calice cette semaine. Maintenant que le calice est posé, je peux me TP. Je peux me TP, je peux me TP, je peux aller chercher. Lequel serait le plus intéressant? On peut tout de suite aller faire le Bed of Chaos. C'est moins chiant. Direction le Bed of Chaos. Sachant que grâce au Bed of Chaos, je sais pas si on m'entend. Il y a les travaux, je suis sûr on entend la perceuse derrière. Sachant que grâce à mon Poison Mist, je vais pouvoir me débarrasser du. Comment ça s'appelle? Fiut. Du petit bug là, le. Ah, comment il s'appelle? Le ver solaire. Voir le cramer. Enfin, le cramer. Je préfère manger de la bite de cheval. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Genre, premier message du chat, tu me poses cette question-là. Genre. What the fuck? Alors honnêtement, c'est le genre de question existentielle à laquelle je réfléchis. Mais quand même! C'est dingue ça! Tu préfères... Je valide la question. Non mais... Oui, je valide la question, c'est sûr. C'est à se poser, voilà. Mais vraiment. C'est ton premier message dans le chat. Oh. Moi j'en ai une autre. En anglais, pour dire qu'on fait cuire quelque chose au four, on dit bake. Alors pourquoi les cookies s'appellent cookies et pas bakey? C'est plus intéressant comme question. Ah, bouffe. Fais gaffe, il fait très chaud. J'avais remarqué, surtout quand ça parle de bite de cheval, mais. Comme par hasard. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai fini Radan. Le truc qui a pas de rapport. Je ne répondrai pas, je m'abstiendrai. Il manque quelqu'un? Oh, je l'ai pas tué dans les. Oh, trop bien. Ah merde, je pensais que j'étais sauf. Il est là mon grand. T'es là? Ouais, t'es là. Je sais pas pourquoi il a spawn avec du délai. Bam. Voilà. Et on reçoit de l'humanité. Il me sert à rien, mais je la reçois quand même. Les âmes. En vrai, c'est pas mal. J'avais oublié lui! Est-ce que tu vas cramer comme il faut? Oh, ça va, ça brûle bien. Franchement, ça brûle bien. Alors, normalement, le prochain boss est sensible aux dégâts de feu. Normalement. Bon, ça devrait pas être trop compliqué avec ma pyromancie. Il va tellement me rouler dessus, l'enfoiré. Oh, par contre, c'est bon. Hein. Je m'amuse pas à tout tuer. Je fais que courir. De toute façon, je peux pas level up. J'ai pas besoin d'âme. Alors, avant d'aller voir le boss, petit détour à droite.
On va valider la raison pour laquelle j'ai pris le... Pourquoi je reçois des messages? Qui m'envoie des messages? Qui m'envoie des bits de cheval sur mon téléphone? Je préfère ne pas répondre. Exactement. Écoute. Quitte à faire des vannes, autant les déconner moi-même. Comme ça, vous savez pas si c'est la vérité ou pas. Qu'est-ce qui a pris 9 de dégâts? Vous savez pas si c'est la vérité ou pas. Va mourir. Si ça se trouve, voilà. Un détraqué mental et vous le savez pas. Ou alors vous le savez mais vous me sous-estimez. Ah, j'ai des électrodes qui me grattent. Mais Gideon, l'omniscient. Le connard qui vole tout. Bon, normalement, c'est win. Normalement, la solaire est sauvée. Si solaire n'est pas sauvée, je vais en chier contre Gwyn. En vrai, Gwyn, c'est un des boss les plus faciles du jeu. Et pourtant, c'est un des boss contre lequel j'en chie le plus, à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Alors, Fire Sage Demon. Bon, j'ai cru que j'avais pris. Je pouvais avoir l'amabilité, voilà, de sauter. Tu fais quasiment zéro dégâts, c'est une dinguerie. Alors, s'il te plaît, sois bloqué là-dedans. Attends. Je te dis après. Brûle! Tu peux être empoisonné ou pas? Oh le zéro. Oh il s'est jeté lui-même dans le poison, trop bien. Je lui fais pas de dégâts. Oh je lui fais pas de dégâts avec mon petit gourdin. Ça va prendre un petit moment. On va pas se mentir. Ça va peut-être aider. Ouais, un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Oh, le saignement qui proc. Ça fait zizir. Voilà, easy peasy. Justement, Gideon, j'ai buté, car il peut y avoir deux. Il peut y en avoir deux et qu'on n'a pas la même philosophie, à savoir, à défaut d'avoir le même prof. Quoi? Car il peut pas y en avoir deux plutôt. Il peut pas avoir le même. Je comprends pas. J'ai pas compris la blague. Je suis con, je comprends rien. Mais au moins j'arrive à faire des boss. Il peut pas y en avoir deux des omniscients. Pourquoi il pourrait pas? Hein? Imagine un combat entre deux omniscients. A chaque fois, l'un prédit le move de l'autre. Non, attends! Ouais, c'est bon. Ça fait un combat de mongol. Imagine un combat entre deux Goku Ultra Instinct dans le jeu Fighter Z, là. Ça part toutes les deux secondes. C'est quoi ça comme emoji? Ici. Glitch énergé. Oh, qu'il est moche. Du coup, j'ai cru que c'était un emoji Robotnik. Alors. Là, c'est un sort. Rends-moi ça. Point positif. Très positif, d'ailleurs. C'est que... Le glitch énergie est bloqué sur mon chat. Gideon tellement omniscient qu'il me touche jamais et je le one shot à chaque fois. Gideon il se fait rouler dessus à chaque fois et par tout le monde. C'est une grosse victime.
D'ailleurs, fun fact sur Elden Ring. Il est possible de modder Armored Core, de faire passer des trucs de Armored Core dans Elden Ring parce que c'est le même moteur. Voilà. Du coup, il est possible d'ajouter des avions avec des missiles et tout dans Elden Ring. Sans aucune difficulté. Juste avec des simples glisser-déposer. En vrai, je suis plutôt pas mal. Je pense que je suis plutôt pas mal là, dans ma raid. Qu'est-ce qui peut encore me poser des problèmes? Peut-être les 4 rois. Ils vont peut-être être chiants. Avec une épée à armure, ça va tanker sec. À la rigueur, ce qu'il me faudrait, ce serait plus d'emplacement de sort. Ah, pas drôle. Bon, excuse-moi. J'ai eu un petit problème. Mais fous la paix! Brûle! Voilà. On parlait. On était en train de parler. Tu me vends des choses très chères, mademoiselle. Elle me vend une deuxième orbe de feu. Est-ce que je m'en sers? No luck. T'arrives plus à ouvrir Elden Ring? Merde. Ouais, j'allais voir. Ah, bah, moi, il est désinstallé aussi, Elden Ring. Quand j'ai fini de jouer, moi, je désinstalle mes jeux. Merde. Merde. Ah oui, no luck. Oh, vous savez quoi, je vais pas m'en servir de tout ça. Plaf. Ça donne vraiment. Là, je vais peut-être m'en servir. À voir. Les colonnes de fer, par exemple. Bah ouais, mais je l'ai fini, Elden Ring. Il fallait que je fasse de la place pour Dark Souls et puis pour Hollow Knight et tout ça, là. Je vais faire le DLC avec le bidule qu'on balance des Malenia sur Mesmer. Quoi? Woot? Est-ce que le mieux c'est fouet de feu, tempête de feu ou les. Ah, tempête de feu. Ça peut être pas mal. Ouais, mais attends, parce que. Ah, tu m'emmerdes, toi. En fait, c'est quoi? Je vais garder mes pyromanciers actuels. Je vais juste encore upgrade une fois. Avec le randomizer, c'est ça? Ouais, bah ça peut attendre, c'est bon. Ah, mais je peux pas ça! Le crowd control? Bah ouais, mais le. Va te plaindre aux développeurs de crowd control. Moi je peux pas là. Apparemment, il est pas encore. Les putes. Exactement, les grosses putes. Archi pute, méga pute, pute, pute. Téléportation. Paroisse. Je vais aller chercher des eaux des eaux de retour là. Téléput, archi pute, méga pute, pute, pute. Alors, les eaux du retour. C'est là-bas, normalement je suis overpower. Moi ce qui m'embête là c'est les anneaux. Je sais plus quel anneau me permet d'avoir des cases de sortilège en plus. Et c'est chiant. C'est très très chiant. Oh j'avais oublié toi. Oh c'est one shot tiens. Moi qui pensais que j'arriverais jamais à one shot quoi que ce soit dans le jeu. Passer, je me fais que passer, enculé. Excusez-moi, pardon. C'est quel anneau dans Dark Souls 1 qui donne le plus de caisses de sort?
Je crois qu'il y a l'anneau de séance lune noire qui en donne pas mal, qui se trouve dans les catacombes. Est-ce que j'ai pas mieux? Salut toi. Hop. Merci. Je pense que j'ai besoin de rien de plus. Et en vrai. Ah, purée. Ça, tu peux l'enlever. Non, mes humanités! Fais chier. Zut. Zut, zut et re-zut. T'as vérifié l'intégrité de tes dossiers? Voir s'ils ont pas mis un petit truc en plus ou quoi? Moi, quand j'ai un problème avec un Souls ou bien un jeu sur Steam de manière générale, je vais dans les fichiers. Genre, par Steam, tu sais, dans le. Merde. Dans le dossier source. Et je supprime tout. Absolument tout. Et après je fais revenir je fais revenir la sauce là avec les champignons. Après tu mets des lardons. Tu tournes bien pour histoire que ça grille un petit peu mais pas trop. Et après tu verses ton omelette. Bref. Je supprime tout puis après je fais vérifier l'intégralité des jeux et me réinstalle le jeu de base. Parce que je trouvais plus mes mots, alors j'ai inventé une recette. En vrai, c'est une omelette au lardon, c'est pas mal. Hein. J'aime pas les lardons, c'est trop gras. Je préfère les dés de jambon. Les allumettes. Ah, ça a pas marché même en faisant ça, en supprimant tout. Ouais, mais supprimer tout d'abord avant de vérifier l'intégralité. Comme ça, tu fais un petit reset de tout. Ouais bah voilà tu réinstalles. Ouais mais non c'est pas pareil. En gros quand tu réinstalles, il te réinstalle les jeux, les dossiers dans le même état qu'avant que tu désinstalles. Donc faut aller dans les fichiers de base, la source, machin. Et puis préparer l'omelette et tout là. Comme je t'ai dit. Eh c'est bon toi là-haut? Trop tard. Ah c'est pas de chance ça. Enfin, j'espère que ça a marché pour toi. Et alors? Et alors? Ah, t'es pas mort! C'est un truc que j'aime bien, moi. Tabasser des vieux chauves dans les catacombes. Des fois, je le fais dans la rue aussi, mais c'est moins fun parce que. Il y a des témoins. Fais chier, je vais mourir. Fais chier! Merde, j'ai une. J'ai une électro qui est en train de se barrer. Je suis même assuré que j'ai bien plus eu un seul fichier du jeu dans le disque. Ah. Ouais, mais ça change rien parce que c'est stocké sur. Les données, elles sont stockées sur. Elles sont stockées chez Steam, là, sur leur serveur. Bon, c'est simple. Ouais, 30 minutes, c'est rien. Mais par exemple, moi, quand je mets un mode, si je le désinstalle et réinstalle, j'ai toujours le mode de la dernière fois, quoi. Vraiment que je supprime l'intégralité des fichiers du jeu puis que je fasse ça bien. C'est pareil pour les Dark Souls d'ailleurs. Et là on me le dit pas mais je suis mort une fois et j'ai pas mis ma mort là. Merde! Bon bah je suis mort deux fois. J'ai fait une petite glissade. Il sert à rien du tout. Ouais, bah après, 2 milliards, c'est rien. En vrai, moi, mon PC galère plus à faire le scan de tous les fichiers, la répartition et tout, là. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi personne ne me dit rien, là, mon avatar, il est tout cassé. Vous avez fait quoi pendant que j'étais pas là? Attends, quoi?
Ah merde. Il s'est passé des trucs. J'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave. Bon, en jouant sérieusement là, un petit peu. Rajoute une main d'ailleurs. Ouais, fais ronfler, ronfleur, c'est pas grave. En jouant sérieusement 5 minutes. J'aimerais aller chercher la note séance lune noire. Bon, en même temps, je pourrais en profiter pour tuer Gwendoline. Gwendoline. Ce serait ça de fait déjà. En SL1, il me semble que j'ai une meilleure arme que ça là. Ah, ma mâchoire qui craque. Oh bah, il est tombé tout seul. Parce que je me dis que contre Manus, bah, je vais être obligé d'utiliser des. Ou le pyromancie quoi. C'est pas mon petit gourdin qui va lui faire quoi que ce soit en dégâts. Voilà. On prend ses précautions. On bute tout. Oh, cette zone là, moi j'aime pas. Elle casse grave les loups. Je sais pas comment on a fait pour se louper l'un l'autre. On l'a fait. Oh, elle casse grave les couilles. Bon, alors lui. Et jeté contre le mur. Ouais, d'accord. À partir du moment où j'ai tué Pinwheel, Patches, il déménage dans le tombeau des géants. Il va pas encore être là. J'espère. Aïe aïe, ça pique. Oh, par derrière. J'aime quand c'est par derrière. Hop là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi t'es vivant? Le bait de Corbar. C'est une belle âme, ça, le bait de Corbar. Est-ce que je peux la porter? Je peux la porter. Ouf, même pas prêt. Même pas prêt de pouvoir la porter. Bon, après, mon gourdin est suffisant. Aïe. Mon gourdin est large, fait largement le taf. Et petit item. Alors, pour lui d'abord. Je le vois. Ah ouais, maintenant, je peux même pas essayer de le cheese ou quoi. Parce que je suis incapable de porter un arc. Lâche la grappe, s'il te plaît. Oh, le petit backstab. Eh, en vrai, je leur fais déjà pas mal de dégâts. Hein. Ah, Patches a déménagé. Ça, ça fait zizi. Hop, cassé en deux. Est-ce que je suis capable de les chase ou pas, de les cheese ou pas? Are you cheesable? Hop, cheese. Attends, je me hit juste un coup. Voilà, voilà. Et voilà. Maintenant. Toi, t'es pas sur le même, hein, c'est ça? Ouais. Lui, il est sur un nécromancien qui est tout en bas, en bas. Pardon, je suis passé. Pardon, je suis passé. Allez-y, venez. Encore? Vas-y. Ah, d'accord. Ma porte s'est ouverte toute seule, faut que j'aille la fermer. Je reviens tout de suite. Oh, il m'a looté une lanterne crâne, je crois. D'ailleurs, je peux m'enlever ça d'autour du cou.
poser ton chien avec leur truc. Ils donnent un appareil que t'es censé garder tout le temps sur toi. Ils font des câbles 30 cm, les idiots. C'est trop court pour que tu le mettes dans la poche. C'est bien, faut le mettre autour du cou, mais c'est chiant autour du cou. Ils font n'importe quoi. Y'a quoi là-dedans? Lointain de crâne, c'est génial. Je vais pouvoir aller échanger contre un anneau, je crois. Par les juges, réponds sur Discord. Attends, je vais faire ça. Ah zut. Voilà. Du coup, on repart. En bas, il y a Vamos. Je suis tenté d'aller le voir. Mais ça va pas m'aider tout de suite. Je sais que Vamos, si je le tue, il va me loot son marteau. Un marteau unique. Pour les commander tous. Mais son marteau. Est-ce que je peux le porter? C'est pas le marteau du géant qu'il me faut. Ah, je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Par contre, je sais qu'ici, il faut courir dans tous les sens. Pardon. Passe là, je descends. Tout droit. Là, il y a un gros moche qui tombe. Ah, il est là-bas, là, non. Là, il y en a un autre qui tombe. Non, 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 non. Voilà, c'est ça que je veux. Non, Gigi! Laissez-moi! Je suis coincé dans le mur. M'en fous, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais. C'est bon. En soi, c'est victory pour moi. Alors maintenant, cet anneau-là. Ajoute des cases de sort. On va falloir rester à Walp quasiment tout le temps. Mais j'ai une case de sort. Putain. Je pensais que j'allais au moins en avoir deux ou quoi. Bon. Est-ce que je suis capable de porter quelque chose? Sur ça. Ça, c'est bon. À 0,6. C'est bon. Ensuite. 1,4. On est bon! Je suis capable de porter encore plus haut. J'ai atteint ma limite. Ah. Ah. Bon, en vrai, c'est pas mal. J'ai de l'armure. J'ai de l'armure. On est bien. C'est pas par là. Je pense que je vais me remettre humain pour aller faire le centipède. Sinon, je vais chier ma race. Maintenant, faut que j'arrive à économiser des âmes. Économiser un max. Où j'économise un max.
Parfait. On va aller faire le centipède. Après le centipède, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Bed of Chaos. Le Bed of Chaos, ça risque. Enfin, le Bed of Chaos en soi-même, c'est pas plus compliqué que d'habitude. Ou bien des seuls boss qui va pas me casser trop les dents alors. Par contre, c'est la sorcière d'Izalith juste avant le Bed of Chaos qui risque de m'ennuyer un tantinet. Là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que je ne vois pas la marque de solaire. Je suis légèrement baisé. Il faudra se le faire. Alors, sachant que je pense qu'il est. Ah! Je suis obligé de rester là. J'arrive pas à tanker un seul petit. J'arrive pas à tanker un seul tic de feu. Ah, ça va être ennuyant. Ah, ça va être très 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 embêtant ça. Ah. Ça va être très très embêtant. Oh bah c'est pas grave, hein, on va essayer de jouer comme un pro. En 8. Again. Non, Dark Souls c'est un jeu facile. Y a pas de raison que j'y arrive pas. Par contre là il va être 14h30. Je pense qu'après on va aller faire un peu de Resident Evil. De finir l'histoire de Jill et après à mimir. Ouh, j'ai glissé. Là, je suis mort tellement vite que mes âmes elles sont à l'extérieur de l'arène. C'est ridicule. Bon, bonjour, viens donc me chercher. Ah bah oui bah chiotte de chiotte de chiotte. Là c'est ma faute, j'ai fait de la merde. S'il te plaît, dis-moi, je me superposais au feu qui était au-dessus. Et une mort en plus. Allez, s'il te plaît. Oh, je suis rincé de chez rincé. Ma jolie petite journée qui retombe là. Ça fait 1h30 seulement que je stream. En vérité, là, je serais censé éventuellement aller sur Resident Evil pour faire 3 petites heures égales. Avec une petite heure et demie de Resident Evil. Mais bon. Ce n'est pas grave. Continuez les ploqui-ploc. Salutations! Allez, viens me chercher. Respecte pas. Qu'est-ce qu'il fait? Merde. Ouais, ça c'est bien. Oh, je lui fais zéro dégâts et je vois plus.
Ah, lâche. Je vois rien. Alors, il risque d'être problématique au final ce boss. D'une part parce que je lui fais pas de dégâts. D'autre part parce que je peux pas l'atteindre. Il va me lâcher à travers le mur. Faut que je fasse gaffe, faut pas qu'il me lâche à travers le mur. Il m'a fait zéro dégâts sur son attaque. Que t'es sensible au saignement. Ah, mauvais timing. En vrai, quand il est proche comme ça, ça passe. Ok, on a retenu beaucoup. Peut-être faudrait que je vois si. Est-ce que ça te fait des dégâts ça? Je crois que pas du tout. Il est totalement immunisé au feu. Montre un peu si je fais ça. Ah là j'ai pas touché. Il est totalement immunisé au feu. Et au saignement apparemment. Pas tombé dans le feu. What the fuck? C'était quoi ça? Ah mais il saute et il crache en dessous de lui, d'accord. Allez, faut mourir maintenant. À un moment, faut mourir. Je vois plus rien. La caméra, elle est aux fraises. Mais c'est GG. La caméra est encore aux fraises. Alors là, par contre, c'est un peu la merde. Je vais être obligé de sacrifier un sort. C'est pas trop grave. Ça m'ennuie un peu d'avoir 400 000 âmes sur moi. 40 000 âmes sur moi. 400 000, ça me prend encore plus chier. Colère? Non, il a pas envie. Faudra éventuellement que j'arrive à ramener ce solaire ici. On va aller augmenter la flamme de pyromancie encore un coup. Juste histoire de. En vrai, les pyromanciens elles vont m'être très utiles par la suite, mais il y a des boss. Genre, honnêtement, 6. Il est facile, mais je le sens mal. Oh, puis alors, Nito, j'en parle pas.
En vrai, Nito, il va falloir que je me passe un gourdin ou bien une arme bénie. Pour pouvoir me débarrasser de ces trois squelettes là. Salut Flo, comment ça va? Nous, ça va bien, on se débrouille bien. J'ai des électrodes sur moi là, c'est pas très agréable. Bah écoute, on fait aller tranquille. Tranquille, tranquille. Bah, c'est facile comme jeu. Oh, je me prends les murs. Pour l'instant, mon plus gros ennemi, c'est la caméra. Écoute, si j'ai réussi à faire OS tout seul, c'est que c'est facile. Oh. C'est moins tranquille. Oh, je m'en fous, c'est lui là qui m'embête. Ah vas-y, tape là, je t'en prie. Alors, modifier, hop. 7000. Je peux récupérer ça? La tarte à la buzz. Le Sakuniwa, comment ça va? Bien sûr, j'ai fait Einstein Smooth. Et en vrai, j'ai pas galéré tant que ça. C'est ça qui est bien. C'est la vérité. Ah. Après, elle attendra encore pour 2 semaines, ça coule, mais ça va aller. Je crois qu'en Sanesmo, je l'ai fait en 4 fois. Comme ça. Là. Là, 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 là. On a le Bedofiao à faire. C'est un peu chiant, mais je vais le faire vite fait. Au moins, je serai débarrassé, on va dire. Ah! Ah! J'avais pas vu ma vie! C'est vrai que j'ai pas 500 000 PV pour tanker tout ça. Ouais, sérieux? Sérieux? Mais! Je... Bah... Y'avait rien! Ah, merci Miyazaki, hein. Gros merci. Dimanche, je rentre chez ma mère. L'infirmière. Bah... Bon courage. J'espère que tu vas supporter le traitement de l'infirmière. J'espère au moins qu'elle sera sexy. Genre ouais, là, je me suis fait tuer par un truc invisible, on est d'accord. Alors. C'est pas là pour ça, mais bon. Il y a du plus, il y a du plus, c'est bien. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Les gros moches, là. Oh, ils se battent entre eux. Laissez-moi! Ah, il y en a un qui est mort. C'est par là-bas. Oh, j'ai cru que j'allais prendre un petit coup là. Pardon, je fais que passer. Va falloir que je me heal. Eh, c'est dur de tanker avec aussi peu de PV. Hein. Ah, elle s'occupe de ta mère, je pensais que c'était pour tes pieds. De la mère à mon beau-père, d'accord. Donc en soi, ta grande belle-mère. Ça pour l'instant. En vrai, j'hésite à porter l'anneau de brûlante. Hein. Bon, alors, à mon avis, le Bed of Chaos, un coup de main, et je me fais tuer. Une baffe, je prends une claque et je suis mort. Pardon, je suis passé. Mais pas ma faute si j'ai pas compris, je suis un peu con. Laisse passer, merci. Mais on se calme. Je vois pas ce qu'on me lance. Juste j'entends que on me fait du mal. Non. J'ai dit non. Hors de question. C'est non. Oh bah c'était facile.
m'attendais à quelque chose de plus difficile que ça. Alors si je me souviens bien, lui, il a une pyromancie dans son charter, dans son machin là, dans son coffre. Ouh, pas mal les pyrons. Ah bah voilà, c'est la même. Je comprends pourquoi tu tentes pas, t'as peur de te faire balancer. Fouet du feu du chaos. Que ça vaut le coup, le fouet de feu du chaos. Que c'est une pyromancie efficace en essai, là. Parce qu'elle prend deux places, quand même. Faut pas oublier, ça. Bon, elle prend au moins deux places. Je crois qu'il y a des pyromancies qui en prennent trois, d'ailleurs. Let's go, le pire boss du jeu. Arrêtez, je vais faire un boss. Je me fais victimiser, là. Sakuniwa. Le bully. Laissez-moi passer, laissez-moi passer, laissez-moi passer. Si je prends une tarte, je suis mort, je pense. Je me fais que passer. Ah, dans ma gueule. Bah voilà, bah bravo. Il m'a tué. Mon corps s'est envolé. Oh, par contre, le chemin pour y retourner à chaque fois. Oh, le chemin. Oh, c'est tellement chiant. On va faire des allers-retours, là. Et on augmente la mort de 1 d'ailleurs. Et en vrai, 30 morts pour l'instant, c'est bien. Hein. Tu peux pas F5. Pourquoi je ferais un F5? C'est quoi F5? Pourquoi F5? Bah non, y'a rien avec F5. C'est pas un émulateur, hein. C'est le vrai jeu de base sur Steam. C'est pas si cher que ça en vrai. Je crois qu'il coûte 20 balles. Je sais que je l'ai racheté il y a pas longtemps. Ouais, mais ça marche sur émulateur. Mais dans certains jeux, là il n'y a pas de save state. Là il n'y a pas. Là je. Il m'a marché dessus. Bon, moi c'est pas grave. Alors, juste comme ça, hein. Comme ça, j'ai combien d'humanité? J'en ai 17 plus 2, 19. Est-ce que je peux aller en chercher ailleurs? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de revenir plus tard après avoir activé le raccourci des Dames du Chaos? Les filles du Chaos, pardon. Honnêtement, I do know. Je sais que c'est beaucoup plus facile, c'est tout. Après, je pourrais aussi m'amuser à clear tout ça, puis à tuer tous les dragons, mais bon. Enfin, plus les culs de dragons, là. C'est du glow-boule-boule. Oula, il est énervé. Si vous pouviez vous tuer entre vous, ce serait génial, mais bon. C'est pas ici. Je pense pas que ce soit ici le raccourci. Ah, c'est pas un raccourci mais un feu quoi. Bon, on part là-bas. Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. I am the fast. Il m'a jeté des caillasses dans la gueule. Il essaie de me lapider. À l'iranienne, comme ça. Hop. Oh, oh. Ah, arrête, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, j'étais pas en dessous. Ils sont gros culs, là. Oh, c'est chiant, c'est pas... Vous savez quoi? Nick.
On va aller ailleurs, Nathan. Téléportation, liche-feu, on va aller faire le gros. On va aller récupérer la poupée pour faire Priscilla. Et après on descendra... Ouais non, je peux pas descendre tout de suite aller faire Nito. Faudra une arme divine pour faire Nito. Mais j'ai la braise divine. Ouais, je pourrais éventuellement faire une arme divine. Le problème c'est que faire une arme divine juste pour... Qu'est-ce que je fais moi? Mais qu'est-ce que je fais moi? Why am I so dumb? Hop là. Oh, c'est bien. Non, attends. Merci. Hop là. Petite roulade bien timée. Merde. Faut que je descende là. Là. Je tombe. Pardon. Balabalabam, bam bam, balabalabam, bam bam. Et maintenant, egg. Eggs. I am eggs. C'est quand tu veux. Hein. Moi j'en profite, Discord. J'ai ex. Maintenant je suis psy. J'ai éclos. Ah ah, attention parce que là je les connais one shot. Ils ont pas l'air comme ça mais. Contre une pauvre carcasse sans défense comme moi. Je préfère prendre mes précautions. Alors. Maintenant. Merde. Voilà Snuggly. Non, c'est au-dessus. You, you, give me soft. You, give me warm. Warm, give me soft. Alors. Me warm, give me soft. Déjà ça. Au moins, ce sera débarrassé. Parce que clairement ça ne sert à rien d'autre. You. Give me. Give me. Éclate. Oh, éclat de titanite, carrément. Ensuite. Je devais lui laisser la lanterne crâne. Hop. Bon, c'est pas nécessaire, mais au moins c'est fait. Quoi. Tant que je suis là. Give me. L'anneau des brumes. Ça devrait suffire. C'est quoi déjà l'anneau des brumes? Augmente la discrétion. C'est pas encore exactement ce que je voulais, mais. Pas mal. Maintenant, le gros taquito là. On va me débarrasser de toi. Et de toi. Comment ça, ça touche pas, sérieux? Les temples, ça touche.
Eh merde. En plus, ma manette vibre dans ma main, c'est génial. Ça me fait grave chier. Ça va pas être dur, ça va pas être dur. C'est tout dans la tête, tout dans le mental. Mort. Ah, peut-être pas. Non, c'est bon. Je suis mort. Ah non, je suis... j'ai gagné. Comment ça, tu mets des coups de pied? Non mais... Alors, juste une chose. Attends. Genre, si je fais ça, est-ce que vous l'entendez? Peut-être pas. Mais ça vibre en continu dans mes doigts. C'est casse-couille. Comme pas possible. Voilà. Alors, ça me fait 18 humanité, j'en ai 20. Il m'en faut 30. Alors, par contre, j'ai vu sur Internet des jolies builds de one-shot avec la fameuse éruption du chaos. Et je me dis, ça serait peut-être pas mal d'essayer de faire ça. Il m'a défoncé. Un petit coup, là. Il m'a mis un petit coup bien sale. Hop là. Et hop là, par derrière. Et ça me fait un boss en plus d'ailleurs. Compteur. Ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir retourner tranquillement. Vous savez quoi, je vais aller chercher le nœud de fer rouillé, ça peut servir. Franchement, ça peut servir. Là, on va devoir se taper au ras. Ah, d'ailleurs. Ça, ce sera beaucoup plus simple à faire. Ah, gardez-le. Merde. Peut-être. Ouais. Ah, regardez-le là! Comment il fuit! Le lâche! Aïe. Aïe. Voilà. Quel lâche ce Oscar. Est-ce que ça va être suffisant? Non, je crois qu'il me faut 30 000 pour augmenter encore ma flamme de pyromancie. Par contre, lui, c'est un ultra espadon, celui-là. C'est pas une épée normale. Ah non, si, c'est une épée normale, autant pour moi. J'ai paniqué pour rien. 2. Alors Oscar. Mon grand Oscar. Sachant que je t'ai déjà mis une patate. Ouf. C'est le petit bout. Et merde. Toujours demandé s'il n'y avait pas moyen de l'esquiver en restant sur le bord des escaliers, ce truc là. Mais je crois pas. Bon, là on va faire vite, on va faire Vex. Hop. Hop. Excusez-moi, pardon. Et moi, l'endroit où je vais aller, c'est là. J'ai loupé. Voilà, tranquille.
Et maintenant ceci. Maintenant que c'est fait, j'ai éliminé tout ce qu'il y avait dans l'asile, récupéré la poupée. Que je vais faire tout de suite un Legacy Boss ou est-ce que je vais faire Précilia? En fait, faut que je fasse ce qui me permet d'obtenir le plus d'humanité possible. Tomber dans l'eau. Faut absolument plus d'humanité. Il me manque combien là? Il me manque 10. C'est pas cool. Je vous le dis juste comme ça, c'est pas sympa. C'est-à-dire une mort en plus. Regardez-le qui se cache derrière son petit poteau là. Parce que, autant d'habitude pour Nito, je prends mes. Pour aller dans la tombe des géants, j'essaie d'avoir une lumière. Là, je m'en fous, la tombe des géants, je vais la skip. Par contre, pour Nito, j'aimerais bien avoir une arme bénie. Juste histoire de pouvoir me débarrasser des squelettes facilement. Du coup, il va falloir que je me tourne vers André. Où sont mes âmes, s'il te plaît? Il y en avait à peu près 20 000. Je dirais même 25 000. Peu par hasard. Ouais. On va retourner voir Quillanor. Remonter la flamme de pyromancie. Et après. Et après, on verra bien. Okay. En vrai, j'aurais pu simplement me TP, je suis un peu con. Je rectifie, je suis très très con. Allez, téléportation, les cheveux. Oh non, non! À tous les coups, mes œufs. Mes œufs, mes âmes sont pas là-haut. Laisse-moi deviner, elles sont restées dans le nid à l'asile. Des fois, c'est dur d'être con. Hein. Je gagne rien. Franchement, je gagne que dalle. Si je pouvais les enlever, je le ferais. Twitch me laisse pas le choix. Mais non, tu gagnes que dalle quand, pour les pubs. Je gagnerais si j'avais genre 10 000 viewers, un truc comme ça. Non, ça m'aide pas, mais je m'en fous. Moi, à la base, le programme d'affilié, je le voulais pour avoir les points de chaîne. Sinon, je m'en passais volontiers, il n'y a pas de problème. Non, mais si vous. Hey. Si vous voulez mettre adblock, si vous voulez skip, changer. Mon avatar, il change de couleur parce que je suis LGBT. Parce que quelqu'un a activé le LGBT dans les récompenses de chaîne. Tu peux l'enlever si tu le réactives. Ah, je glisse. Ah, mais je suis. Faut que j'ajoute des autres effets, mais. En fait. Là-bas, j'ai ajouté celui-là parce que je pensais que ça allait être plus prononcé que ça. Mais ça ne l'est pas. Moi, je pensais que ça allait être comme la grenouille psychédélique, là. J'allais être content. Mais non. J'ai pas le droit d'être content. Mais je vais voir si je peux pas accentuer un peu la chose. Le truc, c'est qu'il me faut du temps pour ça. Faut que. Et entre les cours, entre la famille, entre les streams et tout, bah. J'ai pas beaucoup de temps, moi! Rien que tout à l'heure, mon vieux m'a cassé les couilles, quoi. Pendant le stream. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Il est 15 h. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Quillana, puis après, on va aller chercher des zombies sur Resident Evil.
Et en vrai, on a bien avancé, genre. Là, en 1 heure et demie, en 2 heures, on a fait quoi? Einstein et Smaug. On a fait le Fire Sage Demon. On a fait le démon centipède. On a fait le démon de l'asile. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est là, c'est vraiment pas mal. Surtout, je suis mort que 33 fois. Depuis le début de la run. J'espère que j'ai pas oublié de mort. Non, en vrai, là, je pourrais continuer à tryhard le boss of le Bed of Chaos, mais. Tellement la flemme de faire des allers-retours. Dans le feu avec les culs de dragon, là. Ah, t'as la blouse. Oh, vas-y, on s'en va. Vous me suivez ou vous me suivez pas? Je crois que ça me suit pas. 36 000. Vas-y, t'abuses, Quillana. T'abuses, ma grande. T'as de la chance que j'ai de la thune sur moi, mais. Voilà, quoi. Il a couru sur moi, j'ai cru qu'il allait me défoncer la gueule, puis il s'est arrêté au dernier moment. Il m'a mis un gros coup de pression. 40 000 pour la suivante. Eh ben, j'en connais une qui se fait plaisir, hein. J'aurais dû utiliser mon... Tant pis. En même temps, j'ai pas envie d'aller jouer à Resident Evil. Je me sens bien lancé, là, mais c'est pas grave. Allez, on va aller jouer à Resident Evil. Allez, je vais lancer Resident Evil. Hop, je redémarre le stream, à tout de suite.